assez franches qui permettent à nos différentes entités de rester dans la sérénité, dans le calme et nous garantir une évolution sans faille. Ces retrouvailles ont permis de récompenser une dizaine d'employés nés durant les indépendances. Une employée n'a pas caché sa satisfaction. En 22 ans de carrière, c'est la première fois que je viens dans les bureaux de ce genre. Et recevoir un présent, c'est... Je suis heureux. Je ne m'attendais pas à cela. Signalant que le groupe Bolloré au Gabon est composé des sociétés SDV, SNAT, SAGA, DPS, Secopao, Avas, entre autres. À travers ces retrouvailles, cette multinationale s'inscrit dans le registre des entreprises citoyennes. Elle ouvre ainsi la voie à d'autres pour que vive le progrès du pays. Même ambiance amicale entre les responsables et les agents du groupe CK Gadis, parmi les convives, Pélagie Mbouy et Richard Mobiwa. C'est dans la joie et la ferveur que le personnel du groupe CK Gadis du Gabon a célébré le 52e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Occasion pour le président directeur général du groupe de revenir sur les valeurs cardinales prononcées par le chef de l'État, à savoir la paix, l'unité et la justice. Des valeurs qui interpellent les agents de CK Gadis. C'est une occasion pour tous les Gabonais de se retrouver. Et une entreprise travaille dans un contexte. Et le contexte du Gabon que le président de la République veut conforter, puisque cela a été commencé par son prédécesseur, ce que le président de la République veut conforter, c'est un Gabon de paix, un Gabon d'unité, un Gabon d'équité, de justice et un Gabon de travail également. Alors pour les responsables d'entreprise que nous sommes, ce sont ces éléments-là qui fondent un peu nos entreprises parce que les personnels qui travaillent sont des Gabonais qui viennent de toutes les provinces de la République. Grâce à ces valeurs cardinales, les agents du groupe CK Gadis ont réalisé de grandes performances sur l'ensemble du territoire national. Nous nous retrouvons ici tous les ans pour affirmer notre appartenance à notre pays en tant que CK Gadis, pour affirmer notre attachement aux valeurs de paix, d'unité, de justice sociale et d'équité, et pour donner à la valeur, à la notion de travail, toute sa valeur. D'ici 2013, fin 2013, vous verrez sortir de terre d'autres implantations du groupe CK Gadis pour rapprocher toujours au mieux, au maximum des Gabonais la possibilité d'acheter dans des prix qui sont des prix étudiés, aménagés et favorables, si vous voulez, aux populations de notre pays. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Dans le département de la Lopé à Aboué, le député du siège et le membre du bureau politique PDG Raphaël Gazouzé sont allés s'entretenir avec les populations à propos des projets de développement initiés par le gouvernement au bénéfice de leur localité. Le récit de Moussa Zengi sous les images d'Éric Mokoko. Cette rencontre post-électorale avait pour objectif d'une part de remercier son électorat et d'autre part de faire le compte-rendu parlementaire des travaux de la première session de l'Assemblée nationale. Ce périple du député PDG Steve Edzeba Biké était rehaussé par la présence du membre du bureau politique Raphaël Ngazouzé. Cette tournée a permis aux députés et aux membres du bureau politique d'évoquer les projets initiés par le gouvernement dans le département en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. L'aménagement de la route Lalara-Koumameyon, la construction de l'école supérieure des métiers du bois de Boué et la délocalisation d'une partie de l'IEB pour ne citer que cela. Nous avons été élus pour soutenir
la politique de l'émergence, de l'avenir en confiance. Et c'est cette politique que nous vulgarisons auprès des populations pour qu'elles comprennent que le mandat du chef de l'État doit être couronné de succès. Nous le leur expliquons pour qu'ils sachent que le Gabon est en train de se transformer. Vous voyez, les travaux routiers qui se font, il n'y a jamais eu, je le répète, un kilomètre de bitume à Nouvelle-Guinée. Là, nous allons avoir la Lara, Kouma-Meyon, au vent, et bientôt au vent Makoukou, bitumé. Les mesures prises par le chef de l'État concernant le bois et d'autres secteurs hors pétrole, porte de fruits aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une croissance à deux chiffres. Ça n'a jamais été enregistré au Gabon. Dans tous les villages où ils sont passés, le député et le membre du bureau politique ont aussi évoqué la loi sur la protection de la veuve et l'orphelin, actuellement en examen au Parlement, entre autres. Le gouvernement a constaté qu'il y a trop de maltraitance vis-à-vis de la veuve et l'orphelin. Lorsque un responsable de famille décède, on assiste à des mauvais spectacles. C'est les parents de l'homme qui viennent spolier la femme, chasser la femme de la maison, piller les biens. Donc, c'est des choses à l'avenir qui ne vont plus exister. Enfin, les populations n'ont pas manqué d'émettre quelques doléances sur le manque du personnel soignant et la destruction par les éléphants de leurs plantes. Pour ce, le député a promis apporter des solutions. À la chrétienté, la communauté missionnaire chrétienne internationale organise des journées dites de concertation missionnaire à Ovendo. Installé au Gabon depuis près de 25 ans, le responsable de cette communauté a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a décliné le but de cette mission chrétienne au Gabon. Reportage Lina Nyumba et Félix Moudibangaï. La communauté missionnaire chrétienne internationale existe depuis 25 ans au Gabon. Elle œuvre pour la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ et contribue à la transformation spirituelle de l'homme. La présente rencontre a permis aux membres leaders de cette communauté de décliner les objectifs des journées de concertation missionnaire prévues sur une semaine. We are a worldwide body. Nous sommes un corps international. Present in many nations. Présent dans plusieurs nations. A Christian and fellowship. Une communauté chrétienne founded by Professor Zacharias Tanefom. Fondée par le professeur Zacharias Tanefom. An outstanding scientist in Africa. Un éminent scientiste en Afrique. Combining his labors in science with Christian ministry. Ayant combiné ses labeurs dans le domaine de la science avec le christianisme, avec le ministère chrétien. Par rapport au domaine social, quels sont les actes que vous avez posés pour venir en aide, par exemple, aux populations? Our contribution to society. Notre contribution à la société is primarily the transformation of man. Est de façon primordiale la transformation de l'homme. With regards to Gabon, qui est du Gabon, this complex, ce complexe is the beginning of a structural foundation, a structural concretization of our objectives for the nation. Est le début de la concrétisation des structures en vue des objectifs que nous avons pour la nation. 140 délégués environ, en provenance de 40 pays différents et des 6 continents, prendront part à cette concertation missionnaire au cours de laquelle enseignements, prières et dédicaces proxènes sont prévus. Nous restons encore dans le domaine religieux et ce soir nous recevons le révérend pasteur Francis Michel Badinga. Le pasteur, bonsoir. Bonsoir. Alors le pasteur Badinga est là ce soir pour parler de l'organisation demain à la Cité la démocratie d'un culte d'action de grâce pour l'indépendance suivi d'un colloque. Alors, ce culte, il y a même un thème qui a été choisi, ce que le Gabon doit savoir pour entrer dans sa destinée prophétique. Alors, pasteur, déjà le thème de ce culte,
pourquoi, en quoi est-ce qu'ils nous renvoient. Voilà, d'abord je voudrais remercier la RTL chaîne 1 pour l'opportunité que vous me donnez de partager encore au sujet de ce CUD d'Action de Grâce. Mais je voudrais d'abord rappeler que le CUD d'Action de Grâce, nous l'avons institué depuis 2009. Donc depuis 2009, nous avons un CUD d'Action de Grâce en faveur du Gabon, en faveur des institutions. Vous savez que nous croyons de tout notre cœur que nous devons faire appel à la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et je voudrais m'inspirer d'un texte dans la parole de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc c'est le moyen de rappeler qu'au-delà de notre intelligence, de notre savoir-faire, de nos compétences, les hommes seront toujours limités. Vous savez, et ce qui est impossible aux hommes étant possible à Dieu, nous devons toujours faire appel à sa grâce et à ses faveurs pour que le pays, le Gabon, soit toujours dans le continent et dans la sous-région un modèle, n'est-ce pas, de stabilité particulièrement politique et sociale. Ça, c'est le volet du culte d'Action de Grâce, mais qui va être suivi d'un colloque sur la thématique que vous venez de relever, et qui est donc la thématique du dernier ouvrage que je viens d'écrire aux éditions L'Amatan. Effectivement. Alors, demain, parfois, on a souvent recours aux hommes de Dieu pour essayer de dissiper nos inquiétudes, nos difficultés de tous les jours. Alors, le message spécial demain par rapport aux espoirs des Gabonais, ce qui concerne leur vie de tous les jours. Bien, écoutez, si je devrais revenir sur la problématique de l'ouvrage, donc de la thématique de ce livre, je rappelle simplement dans ce livre que chaque pays, y compris le Gabon, a un destin prophétique. Et nul n'est en droit de ne pas connaître, n'est-ce pas, le destin prophétique de sa nation. Et je vous développe la thèse selon laquelle, si nous marchons à contre-courant du destin prophétique de la nation, il ne faut pas s'étonner que nous nous ouvrons aux disgrâces que d'autres nations ont connues avant nous. Et tout simplement, je démontre par la parole de Dieu, bien sûr, sur des préceptes bibliques, sur la base, n'est-ce pas, de vérité scripturaire, qu'un certain nombre de choses doivent pouvoir influer nos comportements. Alors, je regarde dans l'une des pages, vous dites ici, comment œuvrer ensemble à un environnement favorable pour vivre notre destin commun. Vous qui êtes au contact des populations, des Gabonais tous les jours, est-ce que beaucoup de Gabonais sont prêts effectivement à vivre ensemble pour ce destin commun? Oui, vous savez que personne d'entre nous ne veut vivre dans un environnement hostile. Je pense que vous pouvez faire radio-trottoir, tout le monde vous dira qu'il veut vivre dans un pays paisible et tranquille. Ici, nous sommes dans, on va dire, notre rôle. Parce que le ministre du culte que je suis est aussi un encadreur de conscience, un leader d'opinion. Et notre responsabilité, c'est souvent, en parlant, en enseignant, en éduquant, c'est aussi d'inspirer le choix, n'est-ce pas ? Que ce soit de ceux qui nous dirigent ou tout simplement du citoyen lambda en fonction des orientations que nous leur donnons. Donc il est utile de rappeler un certain nombre de valeurs. Par exemple, pour revenir à cela, nous sommes, n'est-ce pas, dans ce que j'appelle un cycle de notre existence en tant que nation. Voilà. Et vous savez que le monde est fait aussi de la notion de cycle. Donc chaque cycle, n'est-ce pas, impose, je veux dire tout simplement, un certain nombre de paradigmes auxquels il faudrait souscrire. Et la problématique qu'on a souvent, qu'on soit dirigeant, qu'on soit politicien, qu'on soit citoyen lambda, c'est que si nous ne sommes pas, on va dire, en adéquation avec ce que j'appelle les paradigmes qui doivent sous-tendre notre action, notre comportement, nos vies, en fonction du cycle qui est le nôtre, alors il y aura certainement des problèmes, et c'est ce que j'essaye de développer dans ce livre. Ok, merci pasteur, et on espère que demain on sera tous à la Cité de la Avec vous, je voudrais rappeler le programme quand même, c'est important. Donc nous commencerons à 14h30, donc avec le CUD d'Action de Grâce, le temps de recevoir nos invités 15h, et ensuite nous passerons directement au colloque, donc où il y aura la presse, puisque la presse a été invitée, où il y aura un échange entre la presse et bien sûr l'auteur et les cadres chrétiens qui nous ont aidés à l'organisation de cette rencontre. Donc tout le monde est invité, nous n'avons pas été exclusifs, c'est ouvert à tout le monde, donc c'est un cul d'Action de Grâce pour le pays, que tous ceux qui aiment le pays puissent venir, nous serons heureux de les recevoir. En tout cas, Gabon Télévision sera demain, là-bas, là, c'était la démocratie. Vous restez un moment avec nous pour parler de ce qui suit. Suite au discours de la nation du président de la République, Ali Bongo Ondimba, les jeunes militants de l'ex-1, le parti de l'opposition, qui ont manifesté récemment, ont pris la résolution de quitter les rangs de ce parti pour militer désormais aux côtés du chef de l'État et sa politique de l'émergence. Voici ce qu'ils en pensent. Considérant le discours à la nation du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo